Thibaut Inchep va devenir ministre des Sports. Alors apparemment, c'est lui qui l'a dit. Hein. Il a dit, je deviendrai ministre des Sports si le gouvernement est d'extrême droite ou même s'il est d'extrême gauche. Bon, je pense qu'il y en a un des deux qui ne l'acceptera pas. Bon, bref. Et donc j'ai fait une enquête. J'ai un peu stocké, j'ai un peu digué, j'ai regardé en fait ce qu'il va faire en tant que ministre des Sports. Et j'ai trouvé une liste de ce qu'il va faire, de ses projets. Voilà. Premier projet. Il veut remplacer les cours d'histoire par des poussées fort pour que les bibis soient très très costauds. Okay, parce qu'un bon bibi vaut mieux qu'un bon cerveau. Plus de sport à l'extérieur. Voilà. Quand je dis plus de sport, c'est qu'il n'y aura plus de sport à l'extérieur. Les gamins, ils feront à l'école que du crossfit. Bien sûr. Comme ça. Plus de salles, plus de gens qui soulèvent des pneus, plus de ventes de pneus, et des pneus Michelin, comme ça on relance l'économie. Pas con le Thibaut, pas con. Pour entrer dans la fonction publique, pour être fonctionnaire, il faudra pousser 150 kilos au développé couché, comme ça je te cacherai pas qu'on va baisser le nombre de personnes qui pourront entrer dans la fonction publique, bien entendu. Et bien sûr, dans tous les restos, dans tous les cantines, il n'y aura plus de restos de McDo, il n'y aura plus d'Indiens, de Chinois, non, non. On fera que des restaurants où on vendra du blanc de poulet et du riz, sans sauce, sans sel, sans poivre, avec un peu de paprika, voilà. Et quand on va arriver à l'école ou quand on ne se dira plus bonjour, on dira « Damn !» C'est ça, le bonjour n'existe plus. Hein. Voilà. Voilà, bon, t'es pour ou contre que Thibaut soit ministre des Sports, mais il a des idées au moins. Et bien sûr, la phrase culte de son nouveau ministère, hein, c'est « Pousse fort, France forte ». Bon voilà, c'est lui qui l'a trouvé, intéressant comme concept, tout simplement, voilà. Merci d'avoir suivi cette enquête extraordinaire sur Thibaut, parce qu'on l'adore Thibaut. Allez.